Une simple brosse à dents, n'est-ce pas? Pour nous, on prend ça pour acquis tous les jours. Mais imaginez devoir quitter votre maison avec absolument rien, sauf vos enfants, beaucoup de courage et même pas une brosse à dents. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de femmes qui sont extraordinaires, qui sont monoparentales, tout comme la mienne l'était. J'ai été élevée par ma mère parce que mes parents se sont divorcés jeunes, mais mon père était là. J'avais quand même un entourage qui m'a élevée et qui a été là pour moi. Mais il y a des femmes qui doivent quitter avec absolument rien et doivent le faire seules. Et ça prend énormément de courage pour pouvoir faire ça. Donc, on est ici pour pouvoir les aider. Et on est là pour les supporter. C'est l'Auberge Transition, une merveilleuse organisation qui nous demande des choses aussi simples qu'une brosse à dents, du savon, du shampoing, des choses qu'on prend pour acquis. Alors, j'ai décidé de mettre une de mes passions à l'œuvre, d'arrêter d'en parler puis de faire quelque chose, et c'est-à-dire de travailler avec vous et qu'on travaille ensemble pour amasser des fonds. Et on va amasser 5 000 $ jusqu'au 31 octobre, et ensemble, on va le faire très simplement. Comment? Je vous demande 10 $. 10 $ de chaque personne qui regarde cette vidéo. Pourquoi 10 $? C'est bien simple. Premièrement, c'est une somme qui est négligeable. Dans notre cas, peu importe notre situation financière, ce n'est pas quelque chose qui est un défi, surtout dans notre partie du monde. Mais deuxièmement, puis c'est une raison un peu plus émotive et sentimentale, le mauve, c'était ma couleur préférée quand j'étais jeune. Ma chambre était mauve, elle était de toutes les couleurs de lilas, de mauve. Je me rappelle des rideaux, des meubles et des couvre-lits. Et ces enfants-là ont tout perdu, incluant leur chambre, leur couleur préférée, leur toutou préféré, tout ça, c'est parti. Alors, on ne va pas recréer nécessairement une chambre mauve, mais on va recréer une chambre à leur goût. Et je vous demande de m'aider en leur donnant chacun 10 $ pour pouvoir le faire et de recréer une vie pour ses enfants et ses familles. Merci.